Chaque soir, sur France 5, Caroline Roux présente C'est dans l'air, une émission de débat sur l'actualité qui réussit de très belles audiences. Dans sa vie personnelle, la journaliste, valeur sûre du service politique de France Télévisions, forme un véritable couple de pouvoir avec Laurence Olive. En effet, âgé de 50 ans, cet ancien conseiller de Nicolas Sarkozy n'est, ni plus ni moins, que le directeur de Facebook France, depuis 2013. Depuis 2016, il gère également les pays d'Europe du Sud, Espagne, Portugal et Italie, pour le célèbre réseau social. Diplômée de l'ENA en 1996, Laurence Olive débute sa carrière dans les préfectures où il est notamment directeur de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne, entre 1996 et 1998. En 2004, il rejoint le cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Il devient alors un fidèle parmi les fidèles du futur président de la République. Laurence Olive est directeur adjoint de sa campagne présidentielle en 2007. Nicolas Sarkozy élu, le haut fonctionnaire rejoint TF1 où il est nommé directeur général. Il devient alors numéro 2 de la plus grande chaîne d'Europe. Laurence Olive et Caroline Roux, parents de deux enfants côté vie privée, Laurence Olive est papa de quatre enfants. Victoire et Sixtine sont nés de sa précédente relation avec Charlotte Chandelier qui décède en 2007 des suites d'une longue maladie à l'âge de 35 ans. Avec Caroline Roux, sa femme depuis une quinzaine d'années, le directeur général de Facebook France est devenu papa de deux nouveaux enfants, Rosalie et Marceau. Assez discret sur leur vie privée, Caroline Roux et Laurence Olive s'affichent tout de même à de rares occasions en amoureux.